Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Darina Scotti et de sa nièce, Emma Smet. Ce sont deux femmes très belles, très jeunes, riches, intelligentes, et ça fait des jaloux. Alors déjà, deux femmes proches de Sylvie Vartan et qui font partie de la famille de Johnny. J'avais déjà fait une vidéo dessus, j'avais parlé de la méchanceté des gens sur Internet, notamment sur Instagram, envers ces deux femmes. La première vidéo, c'est à propos de Darina Scotti, qui recevait toute la haine des internautes, qui la traitaient de tous les noms, parce qu'elle s'habillait un peu sexy, parce qu'elle était jolie, parce qu'elle souriait. On lui reprochait en fait sa naissance, le fait d'être née dans une famille riche, le fait qu'elle n'aura pas besoin de travailler. En fait, on lui reproche d'être elle, c'est-à-dire une fille d'eux. Du coup, j'avais dit que c'était injuste parce que elles n'ont pas choisi leur famille, c'est la famille qui les a choisies. Et je trouvais que les personnes qui les attaquaient étaient quand même culottées dans le sens où c'est elles qui allaient sur leur page Instagram pour regarder la vie de Darina Scotti et l'accuser de s'exhiber. Alors, rebelote, Darina Scotti a encore poussé un coup de gueule contre un troll, comme ils appellent en ligne, qui a harcelé sa nièce Emma Smet. Bon, je dis nièce parce qu'en fait, Darina Scotti est la fille de Sylvie Vartan avec le producteur américain Tony Scotti, fille adoptive, hein, c'est pour être plus précis. Et elle est la demi-sœur de David Hallyday, qui est le papa de Emma Smet, pour ceux qui ne savent pas. Donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Darina Scotti a fait un compliment sous une photo de sa nièce, demi-nièce, et avait écrit « Ton sourire est contagieux ». Elle a été aussitôt taclée par une autre personne qui a mis un commentaire assez méchant, je vais dire, ce qui a poussé Darina à répondre et répondre vivement. Voici ce qu'elle dit. Ne jugez pas la vie de personnes que vous ne connaissez pas personnellement. On a marre de penser que les gens connus ont le temps d'être H24 sur leur téléphone, car ce n'est pas du tout le cas. On est tous humains, believe it or not. En fait, elle disait que les gens assument que parce qu'on est connu, ben on a la vie facile, on a tout le temps qu'on veut pour le passer sur son téléphone. Alors, ce n'est pas le cas. Et que quand on fait ce genre de remarques, ça touche et ça blesse. Et que avant d'être riches, célèbres, elles sont des êtres humains et des êtres humains qui peuvent être blessés comme toutes les autres personnes. En tout cas, elle a bien recadré cette internaute et c'est bien comme ça. Il faut en fait répondre à ces personnes. C'est vrai que souvent, on a tendance à les ignorer, mais il y a des moments où il faut quand même répondre et être assez ferme avec elles. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes se croient obligées de dire des méchancetés sur les autres en ligne, mais des méchancetés gratuites. On peut faire des critiques constructives. Par exemple, on peut dire ce serait bien que tu fasses ceci parce que vraiment tu as ce talent-là. Mais lancer la critique comme ça en disant ah oui, mais tu es inutile, tout ce que tu dis est bête, ça c'est méchant. Et ça peut avoir un impact sur l'humeur des gens, sur les gens, et sur la santé mentale aussi de certaines personnes. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit sur Internet. On a tendance à se lâcher, ne pas faire attention, ne pas tenir compte des conséquences, mais les mots blessent autant que les coups. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci à ceux qui ont regardé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.